Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Ça doit sûrement vous surprendre de me voir après aussi gros moment d'absence. Comme d'habitude, plein de raisons ont fait que j'ai pas pu tourner de vidéo et j'en avais pas fait spécialement envie non plus. Mais aujourd'hui, je reviens avec un book haul puisque le dernier date du mois de mai, il me semble. Donc, ça fait un bail que je ne vous ai pas présenté mes réceptions. Au vu du nombre de mois qui se sont écoulés, c'est pas gigantesque le nombre de livres que j'ai à vous présenter, mais c'est quand même pas mal. Et donc, on va commencer avec les services presse. Donc pour commencer, je devais participer à un événement que j'ai un petit peu lâché au dernier moment pour les mêmes raisons que j'ai lâché la chaîne YouTube. J'ai reçu Interphile de Antonin Adjer, je sais pas comment on dit, édité aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'avais commencé à lire ce roman que j'avais beaucoup aimé. Malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas pu le poursuivre, mais j'ai bien l'intention de le terminer en 2019. Surtout que je l'ai mis dans les présélections du PLIB 2019, voilà, parce que je fais partie du jury et je vous en reparlerai plus profondément et plus précisément dans une autre vidéo. Ensuite, on va évidemment passer au service presse de la collection R. J'en ai énormément et je vais essayer, d'après mes souvenirs, de vous les représenter dans l'ordre à peu près où je les ai reçus. Et on commence avec le premier. Il s'agit de Follow Me Back de Avi J. Jer. Donc édité dans la collection R, je ne vais pas le redire à chaque fois. Donc, j'avais reçu ce premier tome puisque le deuxième est sorti. Il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui est un petit peu agoraphobe et ça parle aussi de la malveillance des réseaux sociaux, si je dis pas de bêtises. C'est un sujet qui pourrait être excellent parce que bon, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je me dis que si c'est bien traité, ça peut être un bouquin fort recommandable, mais bon, ça on verra quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu Charisma de Jeanne Ryan. Charisma qui a été écrit par la même autrice que Addict. Et Addict, c'est le film qui a inspiré Nerve. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On en avait rapidement entendu parler en France. D'ailleurs, je viens de voir que c'était écrit ici. Donc là, il me semble qu'il s'agit aussi d'agoraphobie ou quelque chose comme ça, la peur du monde. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, la peur... impossible de prendre la parole en public, voilà. Et en gros, pour la guérir, cette jeune fille qui s'appelle Aislinn, je pense, on va lui donner une espèce de drogue qui est censée la guérir. Ensuite, j'ai reçu un roman que cette fois j'ai lu et que j'ai surkiffé. Il faudra que je vous en parle plus précisément dans une vidéo, mes lectures en bref. Il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Premier roman publié en France de Adam Silvera et vraiment un livre génial, hyper émouvant et qui donne une bonne leçon à tout le monde en fait sur profiter de la vie avant qu'elle se termine. Voilà. Parce que, comme son nom l'indique, ils meurent tous les deux à la fin. Ensuite, j'ai reçu La tête sous l'eau de Olivier Adam. Donc, c'est un roman qu'on a énormément vu. La collection R a beaucoup misé au niveau marketing là-dessus. Et je suis en train de le lire. Et j'avoue que pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, c'est prometteur. Et je peux comprendre l'engouement qu'il y avait autour de ce roman. Ensuite, un autre livre. Et celui-ci, je ne l'ai toujours pas lu. Mais j'ai peur. Tellement peur de le lire. Il s'agit du tome 3 de Outliers de Kimberley McCraig. Si vous n'avez pas suivi un petit peu mes avis, etc., j'adore cette saga. C'est une saga hyper haletante, pleine de suspense, etc. C'est un très bon thriller young adult. Malheureusement, c'est vrai que j'ai un petit défaut avec cette saga, c'est que j'ai tendance à vite oublier ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Donc si vous l'avez lu par hasard et que vous pouvez me faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur les tomes d'avant, surtout le tome 2, parce que je me souviens de certaines choses, mais il y a d'autres choses dont je ne me souviens absolument pas. Du coup, venez me trouver en privé sur les réseaux sociaux pour éviter de spoiler qui que ce soit, et voilà, si une âme charitable veut bien m'aider, ce sera avec grand plaisir, mais j'ai quand même hâte, parce que d'après les éléments dont je me souviens, ça va partir en cacahuète, et j'ai hâte de voir ce que renferme ce tome. Ensuite, j'ai reçu Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scali, un livre qui est directement lié à un autre roman de Sarah Cohen-Scali qui est Max. Max que j'ai dans ma pile à lire depuis des années, que je n'ai toujours pas lu. Heureusement pour moi, je peux les lire indépendamment. Mais si j'ai bien compris, dans Max, on suit un projet qui s'appelle le projet Lesenborn qui a pour objectif de créer l'idéal. Et en gros, ici, on suit un de ces orphelins victimes du projet qui va se retrouver après la Seconde Guerre mondiale à ne plus savoir qui il est. Ensuite, nous avons le retour d'une autrice emblématique de la collection R. Également une autrice qui a écrit une saga que j'adore, mais que je n'ai jamais lue, mais que je connais la série et que je
surkiffe cette série. Bref, il s'agit de Light Years de Cass Morgan. Cass Morgan qui a également écrit la saga Les 100. Alors je sais que Les 100 en livre et en série, c'est très différent. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais lu les livres, parce qu'on m'a fortement, souvent dit que c'était mieux de regarder la série parce qu'elle était plus étoffée que la trilogie. J'ai trop, trop hâte de découvrir ce que Cass Morgan a fait dans son roman. Et ensuite, une des dernières sorties de la collection, au moment où je vous tourne cette vidéo, il s'agit de « Tu ne m'as laissé que notre histoire » de Adam Silvera, le deuxième, qui est sorti très très récemment et que j'ai hâte de lire, que je lirai je pense début d'année prochaine, parce que pour l'instant je veux me consacrer au roman dont les auteurs seront présents à Montreuil. Et comme ça vous savez que je vais à Montreuil, si jamais vous avez l'occasion de me croiser, n'hésitez pas à m'interpeller. Ce roman, je pense que là aussi il va me bouleverser, qu'il est très fort et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir ce roman. Et parlons de la couverture que j'adore, voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer à un cadeau que m'a fait Cassandra de la chaîne Croque les mots. À la base, elle m'avait juste proposé de récupérer un bouquin aux Imaginales et de le faire dédicacer par l'autrice. J'étais parti du principe que j'allais la rembourser, et elle en a décidé autrement, et elle a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire. Il s'agit de Erreur 404 de Agnès Marot, édité aux éditions Goldstream dans la collection Electrogène. Oui, vous voyez que j'ai beaucoup de retard à rattraper parce que mon anniversaire c'est en juin, on est en novembre, mais bon. Donc c'est un roman qui fait écho au précédent roman sorti dans la même collection de Agnès Marot, c'est IRL. IRL que j'avais adoré, je vous en ai souvent parlé sur la chaîne et je continuerai à vous en parler jusqu'à ce que tout le monde l'ait lu. Et donc du coup, pour la dédicace qu'il y a à l'intérieur, Agnès Marot me souhaitait un joyeux anniversaire et voilà, j'ai trouvé ça juste adorable, la dédicace est top. Et je pense que j'irai la voir à Montreuil juste pour la remercier de vive voix de cette dédicace. Et pour terminer, je vais vous présenter le seul achat que j'ai fait durant tout ce temps, ce qui finalement est très 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 raisonnable. Et en même temps, c'était un achat assez incontournable, même si je n'ai toujours pas lu. Tout simplement parce que je vous l'avais présenté dans les romans que je voulais absolument découvrir, qui allaient sortir. Et d'un auteur dont j'ai adoré le premier tome qui est paru en français. Il s'agit de L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alir Sahen, édité chez PKG. Et donc là aussi, je pense que vous connaissez mon amour pour Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Et je vous l'avais présenté du coup dans les sorties que je voulais vraiment découvrir. Alors, il est en ma possession, je n'ai toujours pas découvert, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop hâte de découvrir et de retrouver la plume de cet auteur que je trouve juste génial. Et donc voilà, c'en est tout pour ce book haul. Ça fait 11 livres, il me semble pas en avoir oublié qui traîne par-ci par-là chez moi. On a fait le tour. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !